Aujourd'hui la team Kito, on est sur Brocaven RP et je vais vous montrer comment débloquer tous les autres packs. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Bon les amis, j'imagine que vous voulez débloquer tous les véhicules qui sont ici. Bah franchement les amis, je vais vous montrer tout ça et comment j'ai fait pour tous les débloquer. Ils sont vraiment super cool. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite. Commencez déjà par la recherche des œufs de Brookhaven en facile. Donc c'est vraiment le plus facile. C'est parti, on y va les amis. Et c'est parti pour la recherche des œufs en facile. Donc les amis, il y a 10 œufs à trouver. Et cette année, regardez les œufs à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à ça. Donc ils sont vraiment assez colorés tous. C'est vraiment cool. Donc regardez, le premier, on le récupère. Et on est déjà 1 sur 10. On va continuer avec le deuxième œuf par ici. Donc franchement, c'est beaucoup trop simple. Franchement, les amis, regardez-moi ça. Hop là. Donc c'est parti, on récupère encore le troisième, le quatrième. Voilà, mais c'est beaucoup trop facile, les amis. Franchement, c'est beaucoup trop facile, là. Facile, franchement, c'est bah c'est trop facile, en fait, tout simplement. On est déjà à 6. Regardez, ils sont tous autour de la fontaine. C'est beaucoup trop simple. 7, 8, le neuvième. Et il est où, le dixième? Bah, le dixième, je l'ai pas vu ou... Attendez les amis, il doit forcément être dans le coin. Je vais le trouver, peut-être qu'il est derrière ici. Non, même pas. Oh, regardez, il est là. Fallait vraiment le voir. Et je suis à 10 sur 10 et je viens de débloquer le véhicule des lapins. Enfin, du lapin. On va l'essayer tout de suite les amis. C'est parti, on va essayer du coup le premier véhicule de la recherche des œufs de Brookhaven 2024. Et c'est parti, donc c'est le lapin qui est juste ici et on va le mettre. Waouh, il est vraiment super beau les amis. Oh, regardez les amis, c'est un vrai petit lapin. Attendez, je vais essayer de le piloter et on va voir comment ça se conduit. Non mais franchement, il est beaucoup trop cool. Oh, regardez, franchement, j'ai l'impression de vraiment être dans un lapin. Alors j'imagine qu'on peut aussi changer la couleur. Donc là, un petit lapin blanc et là, un petit lapin rouge par exemple. Franchement, c'est beaucoup trop cool. Un lapin orange. Un lapin orange, c'est trop cool. Hop là, et les amis, je peux même mettre du coup la vitesse au maximum. On va mettre même les turbos. On va voir si ça marche les turbos avec un véhicule d'événement comme ça les amis. Ouais, c'est incroyable, ça marche vraiment. Ah là, il est vraiment trop cool ce véhicule de lapin, les amis. Oh, c'est incroyable. Bon, alors, les amis, on va continuer. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, c'est parti en médium. Et du coup, je dois trouver maintenant 15 œufs de pack, les amis. Ça va vraiment être compliqué à trouver. Bon, allez, c'est parti. Du coup, le premier, il est juste ici. Et on a déjà trouvé le premier. Alors, avant de continuer, c'est marqué quand même qu'en facile et en médium, tous les œufs sont dans la ville et pas dans les bâtiments. Donc franchement, ça va être franchement super simple à y trouver. Regardez, j'ai déjà trouvé le deuxième qui est là. Et hop, on a déjà le deuxième. Franchement, les amis, j'adore cette mise à jour. Regardez, j'en vois un là-bas au bout. On va le récupérer à côté de l'école. Il y a un petit œuf. Oh, bah regardez, avant d'aller récupérer l'autre, il y en a un ici. Donc on est déjà au troisième. Maintenant, le quatrième, je l'ai directement en face de moi. Beaucoup trop facile, les amis. Oh, regardez, il y en a encore un là-bas. Je l'avais pas vu, mais les amis, je passe à côté de plein d'œufs depuis tout à l'heure, donc hop là, cinquième, c'est trop simple les amis. Donc c'est pas à l'intérieur des bâtiments, c'est tout à l'extérieur pour celui-là, parce que c'est le médium, et le médium, ben, c'est assez simple encore, regardez, il y en a encore un ici, trop facile. On enchaîne encore les amis, je suis sûr que je vais en trouver, donc c'est à l'intérieur de la ville, donc ça doit être dans le coin encore, bah regardez, il y en a un ici, on est déjà à 7, j'en vois un là-bas au bout, là juste à côté du panneau Brook Diner. Donc là, on est déjà à 8, les amis. Il y en a même un en face du centre commercial de Brookhaven. Donc c'est parti, on est à 9. Franchement, pour le moment, c'est trop simple. Regardez, à côté de l'épicerie, on a encore un ici. Franchement, les amis, on est déjà à 10. Allez, hop, il y en a un ici aussi. On est à 11, les amis. Franchement, c'est trop simple pour le moment. Mais après, ça va vraiment se compliquer. Vous connaissez le mode extrême. Vous savez, le mode extrême, il va vraiment être pas facile du tout. Vous allez voir, de toute façon, on va faire une vidéo spéciale sur l'extrême et sur le hard. Bon, on est déjà au 12e œuf, les amis. Et boum, le 12e. Bon, maintenant, il en reste plus que 3. Franchement, ça va être trop simple. Regardez, il y en a un ici. Les amis, plus que 2. Et je vais trouver, bah regardez, il y en a un en face de l'hôpital, juste là. Et il en manquera plus qu'un après celui-ci. On est à 14. Et le 15e. Où est-ce qu'il pourrait être le 15e? Est-ce qu'il serait pas derrière l'hôpital par ici, peut-être? Ou avant? Peut-être que je l'ai raté, les amis. Je pense l'avoir raté. Bon, on va retourner un petit peu en arrière. Et j'ai dû le rater dans la ville. Je sais pas où il est passé. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il n'y a plus du tout ben, la caméra libre. Vous savez, quand on appuie sur Shift et P sur ordinateur, normalement, on a la caméra libre. Et ben là, on l'a pas du tout. Donc, on peut pas du tout tricher pour la recherche des autres packs. Sinon, ce serait beaucoup trop simple, surtout pour le mode extrême. Bon, franchement, j'ai dû passer à côté parce que là, franchement, je le trouve pas du tout le dernier œuf. Attendez, les amis.
J'ai dû forcément passer devant. Je suis sûr que je suis passé devant et qu'il y a quelqu'un en commentaire qui va me dire « Hey, mais t'es passé devant 15 fois, t'es passé devant 15 fois !» Et moi, ça fait 15 fois que je fais le tour de la ville de Brookhaven et je trouve pas le dernier œuf. Non mais franchement, c'est grave la honte. Vous savez quoi? Mon petit véhicule de lapin, il va m'aider à trouver le dernier. Les amis, j'ai vraiment confiance en mon véhicule de lapin parce que c'est le meilleur véhicule là, franchement. C'est ça parce que j'ai pas débloqué les autres, mais sinon... Le meilleur, c'est d'être l'extrême quand même. Oh, regardez les amis, il est juste ici. Bah franchement, les amis, il fallait vraiment le voir parce que là, il était caché dans l'ombre derrière le métro comme ça. Et hop là, le 15e. J'ai débloqué le véhicule vert, les amis. C'est parti, on va l'essayer tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir. S'il faut, il va être mieux que le lapin. Donc c'est parti, les amis, on va l'essayer. Donc pour ça, je retourne dans véhicule et il est juste ici. C'est le véhicule... Waouh, il est vraiment trop bizarre, les amis. On dirait même pas un véhicule de Pâques. En fait, si, c'est un œuf. On reconnaît que c'est un œuf. Mais franchement, il est trop bizarre. Il y a même un aileron et tout. C'est trop bizarre comme véhicule. D'ailleurs, il fait pas de bruit ou je rêve? J'essaye de mettre vraiment le son au maximum. Et j'ai l'impression qu'il fait pas de bruit. Est-ce que c'est un véhicule à essence? On va voir si on peut mettre de l'essence ou c'est un véhicule électrique, les amis. On va essayer ça tout de suite. C'est super intéressant de savoir. S'il faut, c'est un véhicule électrique. Et bah, regardez. On peut pas du tout mettre de l'essence. Donc, ça doit être un véhicule électrique. On va essayer de le brancher à une borne, les amis. Franchement, regardez, c'est le futur, on est avec des véhicules électriques pour Pâques. Non mais franchement, c'est un truc de dingue, les amis. C'est parti, donc là, ici, je vais le mettre en charge, ici. Hop là, donc on va le mettre ici. Et est-ce que c'est un véhicule électrique, du coup? Hop là, j'appuie. Et oui, c'est bien un véhicule électrique, les amis. Attendez, je vais bien le mettre en charge, comme ceci. Boum, et c'est un véhicule électrique. Non mais c'est dingue. Et pourquoi ça reste pas en charge? Trop bizarre. Bon, en tout cas, c'est bien un véhicule électrique. Bon, on va changer la couleur. On va l'essayer, bien sûr, en orange. Mais j'ai demandé du orange, les amis. Regardez, c'est une couleur un peu métallisée. Mais c'est grave cool! Vous avez déjà vu une couleur comme ça, assez métallisée? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment super canon. Donc moi, je veux du orange. Il faudrait que j'aille plus vers du rouge, peut-être. Mais comment je fais pour avoir du orange, moi? Attendez, là, on est d'accord que j'appuie sur du orange depuis tout à l'heure. Là, c'est du orange. Ça sort marron, c'est trop bizarre. Regardez, quand je mets en noir le véhicule, ça réfléchit en fait le ciel. C'est-à-dire que si le ciel, il est orange... Attendez, je vais essayer un truc, vraiment. J'ai l'impression de découvrir des secrets en direct. C'est beaucoup trop cool. Donc, les amis, vu que je suis administrateur du serveur, je peux aller directement dans le panneau du serveur, juste ici, contrôle de serveur privé. Et si je mets, par exemple, le ciel orange, est-ce que mon véhicule, il va être orange? Incroyable. Ça marche vraiment. Ça marche vraiment, les amis. Voilà, en fait, il réfléchit vraiment le ciel. C'est incroyable. Donc, par exemple, si je vais mettre les ténèbres, on va essayer de mettre, du coup, obscurité. Non, ça marche pas. Donc, par exemple, on va mettre, du coup, le brouillard. Oh, mais c'est incroyable! C'est vraiment bien fait, les amis. La pluie. Oh là là, on va voir avec la pluie quelle couleur il apparaît. Bah ouais, il fait comme le ciel, quoi. Et le ciel vert, les amis. Bah, le véhicule, il va être vert ou pas? Oh, c'est incroyable, les amis! Incroyable. Franchement, je pensais pas découvrir un secret comme ça. D'ailleurs, le véhicule, on dirait un truc d'alien maintenant, tellement ça fait peur. Les amis, mais en tout cas, c'est super facile de le trouver. Mais on n'est pas là pour celui-là. Aujourd'hui, on est là pour trouver tous les œufs en hard, les amis, sur la recherche des œufs de Pâques 2024 de Brookhaven. Donc, c'est parti, on va aller devant le panneau et direction, du coup... La recherche des œufs, les amis. Donc, avant que ça commence, c'est marqué juste en dessous. Et donc, en hard, c'est marqué que les œufs sont dans la ville et qu'il y a besoin d'une échelle. Donc, c'est parti, les amis. On va d'abord prendre une échelle. Donc, pour ça, il faut aller dans le sac à dos, descendre et chercher, bien sûr, l'échelle qui est ici. Voilà, c'est parfait. J'ai l'échelle dans la main. Et on va pouvoir commencer à appuyer sur le bouton hard. Et c'est parti pour la recherche des œufs en hard. Bon. Pour le tout premier œuf, les amis, regardez, il est sur la fontaine juste au-dessus. Donc c'est parti et on peut récupérer enfin le tout premier. Bon, comme je ne vous ai pas dit, mais juste avant de faire cette vidéo, j'ai bien sûr recherché tous les œufs pour vous les montrer le plus rapidement possible. Comme ça, vous n'allez pas perdre de temps. Et le deuxième, il était juste ici, les amis. Il faut sauter, voilà, et vous allez récupérer le deuxième œuf. Et pour le troisième, vous allez sauter directement dans la piscine. Et regardez, vous avez encore un œuf ici, les amis. C'est génial. Et oui, comme ça, vous n'allez pas perdre de temps, les amis. Vous avez directement tous les œufs dans cette vidéo. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de rechercher tous les œufs un par un. Franchement, les amis, le prochain, il est par ici. Donc, il faut... Voilà, parfait. Bah, je suis passé dedans. Il était juste ici. Pour le suivant, on va aller directement au magasin de vêtements, le Rockstar. Et vous avez un œuf super bien caché. Franchement, j'ai pris du temps à le trouver, celui-ci. Il est vraiment super compliqué à trouver. Est-ce que vous le voyez ? Eh bah oui, vous le voyez tous, les amis, il est juste ici, derrière le comptoir, et boum, le cinquième œuf. Franchement, les amis, ça avance super vite, donc avant de continuer, je compte sur vous pour que tout le monde s'abonne et que tout le monde like cette vidéo, genre maintenant, tout de suite. Et imaginez un jour, on a 1 million d'abonnés, franchement, ce serait
trop de la folie. Bon, pour le prochain, direction le Starbrook. Et pareil, derrière le comptoir, vous allez voir, regardez ici, juste en haut, vous avez encore un œuf à récupérer. Et voilà, on est déjà à 6 sur 25. Ça va vraiment super rapidement, les amis. Et pour le prochain, les amis, il faut aller directement à la poste de Brookhaven. Et pareil aussi, derrière le comptoir. Regardez, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est derrière le comptoir. C'est beaucoup trop simple. Ensuite, on va monter et prendre les escaliers ici et aller au restaurant qui est juste ici. Et vous avez un œuf à côté de la poubelle. Alors par contre, si c'est pas le restaurant, vous inquiétez pas, il sera quand même affiché pareil au même endroit. Par contre, il n'y a pas de poubelle, donc du coup, il sera juste ici. Vous inquiétez pas, les amis. On peut continuer à redescendre et on va aller direction la station de métro juste ici. Parce que oui, vous avez un œuf à l'intérieur de la station de métro. Donc c'est parti, on rentre dedans. Et là, les amis, on va rentrer dans le métro. Et franchement, vous allez directement voir l'œuf. Franchement, il est super mal caché. Regardez, il est juste ici. Et on peut le récupérer. Et on est à 9 sur 25. Ça va vraiment super rapidement. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez vraiment cette mise à jour parce qu'elle est vraiment super cool. Bon, je vais prendre un véhicule en attendant. Et franchement, j'ai super hâte de franchement débloquer le véhicule. Je crois que pour le hard, c'est celui-ci, les amis. Et après, on fera le extrême dans une prochaine vidéo. Vous allez voir, ça sera vraiment génial. Bon, on va prendre ce véhicule en attendant. Et on va aller direction l'école. Waouh, il va vraiment super vite ce véhicule. C'est parti, direction l'école de Brookhaven. Où ici, il y a encore pas mal d'œufs à récupérer. Donc c'est parti, je garde ma voiture en forme d'œuf. Et on va aller récupérer les prochains œufs, les amis. Direction l'école. Donc on rentre à l'intérieur et direction la salle de maths. Parce que vous en avez un qui est caché dans cette salle. Et oui, vous le voyez pas? Bah, c'est logique, il était juste ici en sortant. Hop là! On continue les amis et on va aller directement à l'étage parce qu'ici dans les toilettes, alors c'est les toilettes des filles, normalement j'ose pas rentrer dans les toilettes des filles, je suis un garçon, je vais pas rentrer dans les toilettes des filles, mais bon, il y a un œuf à récupérer, il y a personne, de toute façon l'école elle est fermée, on est le soir, donc c'est parti, on y va les amis. Et c'est dans cette cabine ici, regardez, vous avez un œuf qui est ici, là sur les toilettes, là c'est vraiment n'importe quoi, vous allez pas me regarder faire... Bref, on continue les amis avec la recherche des œufs encore. Bien sûr, on continue et toujours dans l'école. Direction la gym les amis, parce que vous avez un œuf juste ici, vous allez voir, au-dessus du panier de basket. Donc pour passer, c'est un peu plus compliqué parce que cette fois, vous allez avoir besoin de votre échelle que vous allez poser juste ici comme ceci. Vous allez pouvoir monter sur votre échelle puis sauter par là. Alors là, c'est vraiment compliqué. J'imagine pas ceux qui sont sur téléphone. Vous allez vraiment galérer à le récupérer. Et voilà, on en est déjà au 12e. Et moi, je vais rentrer hop dans le panier et boum, panier d'Arquito dans le panier. C'est n'importe quoi. Bon, on va ressortir de l'école. Je crois que je les ai tous trouvés. Ah là, parce que oui, juste avant cette vidéo, les amis, je les ai tous trouvés et franchement, c'était super long. Donc là, franchement, pour vous, c'est super rapide. Vous imaginez pas le temps que vous avez gagné. Et c'est parti, direction, du coup, maintenant, le cimetière de Brookhaven. Parce que oui, il y a un œuf au cimetière de Brookhaven. Franchement, c'est super méga flippant. Et on va se garer par ici et on va aller directement là, ici, sur cette... truc là les amis, on descend et regardez, il y a un œuf juste ici, donc on le récupère et on a fini déjà 13 œufs les amis, 13 œufs, 13 œufs, bref, n'importe quoi, moi j'arrive même plus à parler français. Et direction maintenant l'hôpital de Brookhaven, où cette fois-ci il y en a encore un à récupérer à l'hôpital de Brookhaven. Et il est au niveau de l'entrée, juste ici. Donc vous allez avoir besoin aussi pareil de votre échelle. Vous allez pouvoir monter avec votre échelle et les récupérer. Je me souviens plus s'il y en avait un autre, les amis. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul dans l'hôpital. Ça me paraît fou parce que franchement, l'hôpital, il est immense et il n'y a qu'un seul œuf. Bah franchement, c'est vraiment pas cool. Bon, bah c'est pas grave. Et on enchaîne directement avec la mairie de Brookhaven où cette fois-ci, on va pouvoir récupérer un œuf super bien caché. Vous allez voir, les amis. Donc c'est parti, on va direction le tribunal. Et là, si je vous dis qu'il y a un œuf juste ici, personne ne me croirait. Et pourtant, regardez, juste là, hop là, il y en a un, il est ici. On est déjà à 15. Ça va super vite. Bon, les amis, je vais reprendre mon véhicule et je vais vous montrer ensuite les prochains. Donc, hop là, on prend le véhicule et direction ces bâtiments, les amis, parce qu'il y a pas mal d'œufs à récupérer. Et on va commencer par ici. Donc, ici, les amis, vous avez le Tan Studio. Et bien sûr, si c'est pas le Tan Studio, que c'est autre chose, c'est pas grave parce que... bah j'ai remis le tan, n'importe quoi. Par exemple, si c'est celui-ci, c'est pas grave parce que l'œuf, il est exactement au même endroit, c'est-à-dire juste là, regardez, au-dessus de la porte, et vous pouvez le récupérer facilement. On continue ensuite, les amis, direction... Là, vous avez la boîte de nuit de Brookhaven, et vous voyez, il y a un œuf juste en haut. Donc, pour le récupérer, c'est super simple. Vous allez juste ici, et vous allez devoir mettre une échelle. Alors, elle est vraiment compliquée à positionner. Moi, je dirais comme ça, et là... Alors, attendez. Là, normalement, on saute pour...
Ok, non, mais c'est vraiment super compliqué. Si je mets l'échelle comme ceci, que je saute par là, ok, et que là, ici, je le récupère, bah, c'est parfait, je l'ai récupéré. Ok, les amis, on continue à pied et direction, cette fois, l'autoshop de Brookhaven, parce que vous avez un œuf super bien caché, les amis. Vous allez voir, d'ailleurs, il y en a un ici, donc on va d'abord récupérer celui-ci, les amis. Donc, il faut monter par ici, les amis, et il va falloir sauter, regardez. Hop, c'est transparent, mais c'est une espèce de vitre, donc vous pouvez marcher dessus et récupérer le 18e œuf. Pour le prochain, comme je t'ai dit, direction l'autoshop, et sur le côté, juste ici, regardez, vous avez un œuf à récupérer, et on est déjà à 19, franchement, ça va super, vraiment, super vite. Par contre, le prochain, je crois qu'il faut aller direction le centre commercial. Donc c'est parti, on va au centre commercial de Brookhaven et on va directement à l'intérieur, et je sais plus où est-ce qu'il est, il était où déjà ? Je crois qu'il était là-haut. Me dites pas que j'ai déjà oublié où il était l'œuf à l'intérieur. C'est pas possible, les amis. J'ai oublié qu'il y avait un... Il y en avait un ou pas? Je me rappelle plus, les amis. Oh là là. Si je commence à perdre mes œufs, moi, c'est n'importe quoi. Je crois que c'était direction peut-être par ici. Ah oui, regardez. Il est juste ici, au-dessus du cinéma. Et voilà, on est déjà à 20, les amis. Maintenant, on ressort d'ici et direction l'aéroport de Brookhaven pour récupérer le 21e œuf, les amis, de Pâques 2024. Donc c'est parti, regardez, il est juste au-dessus. Donc pour y accéder, vous avez deux options, soit vous sautez par là et vous sautez par ici, ce qui est vraiment très compliqué. Moi, je vous conseille de prendre une échelle, vous la posez comme ceci et hop là, vous récupérez le 22e. Bah non, 21e, pardon. Le 21e, le 22e, il est juste au-dessus, vous le voyez, regardez, il est sur la cheminée du restaurant de Brookhaven, donc le Brook Diner. Donc pour ce faire, pour monter là-haut, vous mettez votre échelle à côté, ici, vous allez monter sur le parasol et sauter une deuxième fois, et là vous pouvez enfin récupérer le 22e, et là c'est bien le 22e. Pour le 23e, on redescend direction le restaurant, et on va rentrer cette fois dans le restaurant et aller directement par ici, et regardez, vous avez un œuf qui est caché juste ici, à côté du comptoir. Et là, on est déjà à 23 sur 25, ça va vraiment vite. Les amis, avant que je vous montre les deux derniers, vraiment, faut que tout le monde like et que tout le monde s'abonne. Je me répète parce que, franchement, si on a 1 million d'abonnés, ce serait cool. Vraiment, on ferait un truc énorme. Vous imaginez même pas ce que je ferais pour le 1 million d'abonnés. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, pour le suivant, les amis, direction le motel. Et vous avez un œuf qui est caché à l'intérieur du bâtiment du motel, donc c'est-à-dire juste ici. Vous allez passer derrière et regardez, au-dessus de ma tête, il y en a un. Et vous avez récupéré le 24e. Oh, les amis, il en reste plus qu'un. Est-ce que je garde le suspense pour le dernier ou est-ce que je vous le dis genre tout de suite maintenant? Bon les amis, sans plus attendre, je vais vous montrer le dernier. Donc direction la police de Brookhaven. C'est parti les amis. Et c'est par ici, il va falloir monter sur l'échelle juste là les amis. Hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et les amis, on va passer juste devant par ici. Et regardez le dernier œuf. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et on est à 25. Véhicule débloqué les amis. On a débloqué le véhicule de Hard. Donc c'est parti, on va aller sur le bouton du véhicule. Et regardez, il est juste ici. Il est là les amis. On le prend et regardez. Oh, il est vraiment beaucoup plus grand que l'autre. Franchement, on va mettre les deux à côté. Et moi, je vous dis qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Regardez. Donc ça, c'est celui juste avant en médium. Et à côté, regardez, j'ai mis celui de hard. Alors imaginez celui d'extrême. Quelle taille il doit faire? Ça doit être juste gigantesque. Oh, regardez-moi la taille. Non, mais c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc on va le conduire. Et il y a un petit bouton en haut. À quoi ça pourrait... Waouh! C'est canon, c'est énorme, c'est génial. Regardez, je peux afficher plein d'œufs en plus. Non mais c'est vraiment trop trop cool. Je pensais pas que c'était possible. Alors imaginez avec le extrême ce qu'on peut faire. Bon bien sûr on va essayer les couleurs. Et je crois que c'est des couleurs qui se réfléchissent. C'est à dire que ce sera pas la même vraie couleur. Regardez, c'est une couleur métallisée. Donc par exemple du coup quand je mets en noir, ça va mettre en bleu vu que le ciel est bleu. Franchement c'est super cool. Non, franchement, c'est beaucoup trop cool, les amis. J'adore la recherche des œufs. Comme vous le savez, j'ai déjà débloqué ces trois véhicules derrière moi. Donc, le véhicule facile qu'on a fait sur la toute première vidéo de la mise à jour, avec également le véhicule moyen, celui-ci. La recherche des œufs en médium, c'était vraiment super simple. Et juste avant, on avait fait, du coup, celui-ci. C'est le hard, les amis, qui était déjà un petit peu plus compliqué que les deux premiers. Bon, et pour ceux aussi qui sont intéressés, il y a aussi la recherche des œufs avec The Hunt. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo, mais là, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, parce qu'on va parler de la recherche des œufs en extrême, le plus compliqué. La recherche la plus compliquée, c'est parti les amis. On va devoir rechercher 35 œufs, ça va vraiment être compliqué. Et pour ça, les amis, il y a un petit texte juste en dessous.
et c'est marqué qu'en extrême, on a besoin d'une échelle et d'un sac de couchage parce que les œufs peuvent être de partout. Mais pas sous l'océan. Bon, heureusement, parce que sinon, vous imaginez pas le temps que ça aurait pris. Et c'est parti les amis, on passe en extrême et on commence tout de suite la recherche des œufs. Et les amis, pour le tout premier œuf, du coup, on va quand même prendre une voiture pour se déplacer. Et vous savez quoi? Rien de mieux que la voiture en hard. On va la prendre, comme ça, on va pouvoir se déplacer avec. Et les amis, c'est parti, du coup, pour le premier œuf, il se trouve à l'épicerie de Brookhaven. Et il est ici, dans le toit, regardez, il est juste là, il est super bien caché. Donc, on est là et on saute pour récupérer le premier œuf. Franchement, les amis, il en reste encore 34, ça va vraiment être super long. C'est parti pour le deuxième. Et pour le deuxième, du coup, on va aller direction la station essence. C'est parti, les amis. Direction la station essence. Et on va récupérer, du coup, le deuxième œuf qui se situe au niveau du car wash. Donc, les amis, regardez, hop là. Et il est juste ici, l'œuf. On le récupère et on a notre deuxième œuf. Ok, bon, on va reprendre la voiture pour le troisième. C'est parti, on ressort d'ici. Et direction le centre commercial. Ça va, c'est juste à côté. Donc, je vais pouvoir me garer juste derrière et rentrer dans le centre commercial. Parce qu'il y a un œuf juste ici sur le côté et il est là, regardez, hop là, le troisième. Franchement les amis, ça avance super vite. Bon, je vous avoue quand même que avant de faire cette vidéo, j'ai quand même regardé un petit peu où les œufs étaient. Et franchement, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai dû prendre je pense à peu près une petite heure, à peu près environ, à trouver tous les œufs. Et franchement, c'était super long, donc je sais même pas si je me souviens des 35 encore. Et on continue de prendre la voiture et on va aller direction la mairie de Brookhaven parce que là-bas, il y a encore des œufs à récupérer. C'est parti, on y va. On va s'arrêter pile devant et on va rentrer à l'intérieur du bâtiment parce qu'il y a un œuf ici, là, en dessous de l'eau. Il est là, regardez, il est dans l'eau. Hop là, on le récupère et on en a déjà 4. Bon, on va ressortir et maintenant, direction l'hôpital de Brookhaven. On va se garer pareil juste devant. À chaque fois, on va prendre le véhicule, ce sera quand même beaucoup plus rapide pour se déplacer. Et cette fois, il va falloir aller dans la salle secrète de l'hôpital. Donc, c'est juste ici au niveau des rayons X. Et regardez, bah ici, les amis, vous avez déjà un œuf collé au plafond. On est déjà à 5. Franchement, je suis super content de cette recherche des œufs. Je ne sais pas si vous vous aimez, mais en tout cas, moi, j'adore ces événements sur Roblox. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour Halloween, souvenez-vous. Et franchement, j'avais adoré faire les recherches. D'ailleurs, je crois que, regardez, regardez, j'allais en oublier un. Il est juste ici. Donc, bien sûr, on va prendre une échelle. Hop là, donc on va mettre l'échelle comme ceci. Et vu que j'en ai besoin, j'ai aussi pris le lit au cas où. Et là, on peut récupérer notre sixième œuf. Ok, donc on va reprendre la voiture et on va récupérer encore des œufs en ville. Donc c'est parti, hop là. Et on va aller au salon de coiffure. C'est parti. Et normalement, ici, il y a encore un œuf. Regardez, il est ici dans le coin, juste derrière la plante. Et boum, on est à 7. Ok, pour les prochains, les amis, direction le poste de police. Donc je vais me garer comme ça, hop là, juste ici. Et on va rentrer directement dans le poste de police. Et on va aller dans la cellule numéro 2, juste celle-ci. Et là, regardez, vous avez un œuf derrière le lit et on peut le récupérer. Et avant de repartir du poste de police, regardez par ici. Comme si vous voulez sortir, regardez juste en haut. Vous en avez encore un qui est caché juste au niveau du plafond. Et franchement, les amis, ça va vraiment super vite. Donc on va reprendre la voiture et on va continuer à récupérer des œufs. Et cette fois, ça va être un petit peu plus loin. Et on va aller direction l'école de Brookhaven. Et oui, parce qu'il y a des œufs à l'école de Brookhaven. On va se garer juste devant. Et on rentre dans l'école. Et pour le premier œuf, il est juste ici, à côté de l'auditorium, derrière la plante. Regardez, vous le voyez. Du vert sur du vert, ça se voit pas trop. Et on le récupère. Et là, on est déjà à 10 sur 35. Et pour le suivant, c'était un œuf qui avait aussi eu l'année dernière au même endroit. Donc c'est à l'étage. Il est juste ici. Et là, regardez. En haut, il y en a un qui est caché ici. Donc pour le récupérer, c'est très simple. Vous prenez une échelle, vous la mettez comme ceci, vous grimpez par là et là, vous l'avez récupéré automatiquement. Ok, donc on va ressortir de l'école maintenant et on va rester en ville, bien sûr, les amis. Donc pour ça, on va reprendre la voiture et direction le magasin de vêtements. Donc c'est le Rockstar juste ici. Hop là. Et les amis, on va récupérer l'autre œuf qui est, je crois, il est derrière ceci. Oui, regardez, il est juste là. Et on est déjà à 12. Allez, on continue. Et cette fois, on va s'éloigner un petit peu. Mais vraiment, quand je dis un petit peu, c'est beaucoup plus que ça. Et direction, du coup, le lac de Brookhaven. Je sais, ça fait un petit peu loin. Mais bon, au moins comme ça, on le récupère vu qu'il est super loin. Et on va aller sur le bateau, les amis, qui est juste ici. Donc c'est parti, j'y vais avec mon véhicule. C'est n'importe quoi. Et on va monter sur le bateau. Et les amis, l'œuf, il est caché juste... Oula, par contre, c'était pas au-dessus, c'était en dessous, par là, les amis.
Il faut passer dans cette pièce et regardez, il y a l'œuf qui est caché à côté des armes ici. Et on peut enfin ressortir pour aller récupérer un autre œuf qui est encore un petit peu éloigné. Cette fois, c'est vrai que j'en ai oublié un en ville, voire peut-être même deux ou trois. J'en ai oublié quelques-uns en ville, donc on retourne direction la ville de Brookhaven pour récupérer le suivant. Pour ça les amis, il faut aller de l'autre côté, donc derrière la mairie. Et il va falloir passer sur le toit de la mairie. Alors ça va être un petit peu compliqué. Alors on va sauter ici les amis. Et regardez, il est en fait juste en face de moi là. Donc on va passer par là. Et non, il faut mieux passer par le toit d'ici. Donc on va remettre une échelle. On va grimper sur l'échelle et on va passer sur le toit. Et là les amis, il va falloir se laisser sauter pour récupérer l'œuf juste en dessous. Et je l'ai récupéré, super. Bon, pour le suivant, on va reprendre la voiture et on va aller direction un autre toit cette fois. Et c'est parti, on va aller du coup sur le toit de l'autoshop parce que oui, il y a un œuf qui est caché là-bas. On va se poser juste ici avec la voiture. Et là les amis, regardez, l'œuf il est caché super bien sur le toit de l'autoshop juste ici. Voilà, on a bientôt fait la moitié. Ok les amis, maintenant on va sauter par ici les amis et direction, là vous avez le marché alimentaire, donc on va rentrer dedans et on va récupérer un œuf qui est derrière le comptoir, regardez il est bien caché, il est juste ici et on le récupère. Ensuite pour le prochain, bon c'est vrai que j'ai plus de voiture, on va en refaire apparaître une, voilà c'est parfait. Et là les amis, le prochain il est derrière l'autoroute juste ici, donc on va falloir monter par là, on va y aller à pied. Et regardez, juste derrière le poteau, vous l'avez, il est juste là. Et on est à 17. Ok, on va reprendre la voiture et on va continuer maintenant direction l'aéroport de Brookhaven. Et on va direction l'aéroport les amis. Donc vous aurez besoin d'une échelle pour le prochain. Donc on va se mettre ici. Et là les amis, il va falloir passer. Regardez, il est juste en haut. Vous le voyez comme moi. Donc on va prendre l'échelle et on va sauter pour le récupérer. Et on est à 18. Ça avance vraiment super vite par contre là. On s'arrête plus parce que maintenant, il va falloir aller direction le métro. Et on va devoir récupérer un œuf dans le métro également. Donc c'est parti, on rentre dans le métro. Et là, il faut aller juste ici et vous allez avoir un œuf. Voilà, il était en plein milieu ici, donc vous le récupérez. Et on peut ressortir du métro. Donc on va reprendre la voiture et on va continuer de rester un petit peu en ville. Et cette fois, direction la banque de Brookhaven. Et on va récupérer ici, derrière le comptoir, un œuf. Et on est déjà à 20. Il en reste plus que 15, les amis. C'est parti. Ah oui, j'allais oublier, marche arrière, attention, attention, marche arrière les amis, hop là. Et là, il y a un secret dans Brookhaven et on va prendre du coup le sac de couchage, on va le poser comme ceci et on va pouvoir passer derrière un secret, hop là. Et regardez, il y a un œuf ici, franchement, il fallait le trouver, franchement, cet œuf là, il est super secret, donc on peut le récupérer. Et pour ressortir, bah, vous remettez pareil votre lit comme ceci et vous ressortez par là. Et on est à 21. Allez, on va reprendre la voiture et cette fois direction l'endroit où il y a les jeux vidéo sur Brookhaven, donc direction arcade ici les amis. Et on va récupérer un œuf qui est vraiment bien caché entre une moto, voilà, il est juste là, on le récupère. Bah non, j'avais pas envie de monter sur la moto, moi j'ai envie de récupérer un œuf. Et on le récupère, alors comment je... Attendez, mais comment je fais pour le récupérer? Eh oh, ok c'est bon, super, j'ai réussi à le récupérer, on est à 22. Ok les amis, on va reprendre la voiture et cette fois on va complètement sortir de la ville parce que oui, on va aller à la montagne de Brookhaven pour récupérer un œuf qui est vraiment bien caché, vous allez voir cette fois-ci, c'est incroyable. Et les amis, je compte vraiment sur vous pour que vous likiez et que vous abonnez à la chaîne, c'est super important, ça peut vraiment m'aider pour avoir, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, ce serait un truc de fou, imaginez un jour on a 1 million d'abonnés sur la chaîne. On fait une méga fête, une méga soirée, je sais pas moi, on fait un truc de fou sur Brookhaven ou sur Roblox, on verra ce qu'on fait, mais franchement on va faire un truc de fou les amis. Bon, du coup, le 23e œuf, normalement il est derrière un sapin, donc il faut le chercher, je crois qu'il est par là les amis. Peut-être derrière celui-ci. En tout cas, c'est derrière un, donc on va forcément le trouver. Ah, bah regardez, il est juste ici. On l'a trouvé. Il est là, les amis. On l'a récupéré et on est à 23. Bon, pour le prochain, il va falloir sauter dans la montagne. Et on va sauter, hop là, dans la montagne. Et on va récupérer le prochain qui est dans une grotte secrète, les amis. Donc, si vous connaissez déjà ma chaîne, vous connaissez sûrement ce secret. Je l'avais montré il y a quelques temps. Donc, il va falloir prendre quand même une lampe torche. Parce que là, je vous avoue que je vois rien du tout. Donc, c'est parti, on va aller par ici. Et on va passer donc par là, les amis. Et normalement, par ici, il y a une grotte secrète. Donc, on va pouvoir ouvrir la grotte en appuyant dessus. Voilà, donc elle s'ouvre, les amis. Et là, regardez, il y a un œuf qui est caché là, qui s'est perdu ici. Donc, on le récupère et on est à 24. Ok, donc on va ressortir par ici. Et on va pas ressortir par le même chemin. Donc, on va passer par là, les amis. Et normalement, si on continue le chemin sans sortir, on va atterrir de l'autre côté, voilà, par ici c'est exactement là où je voulais être.
parce qu'on va devoir aller dans la cabane qui est juste ici et on va pouvoir récupérer un œuf qui est caché à l'intérieur. Donc c'est parti, on rentre dedans et l'œuf, je crois qu'il est caché dans la salle de bain. Peut-être en haut les amis, je sais plus où il est exactement. Bah voilà, il est juste ici à côté de la poupée et on peut le récupérer. Et par contre, faut être vraiment petit, voilà c'est bon, j'ai réussi à le récupérer et on est à 25, il en reste plus que 10. Et pour le prochain, on ressort de la petite cabane et regardez au bout là-bas, il y a un sapin et il y a un œuf qui est caché juste en dessous. Regardez, vous le voyez, il est juste ici et on peut le récupérer et on est à 26. Bon, on va reprendre une voiture et on va récupérer encore un œuf pas très loin. Donc c'est parti, direction le camping juste ici. Et on a oublié un œuf qui était caché pas très loin d'ici. Normalement, il est par là, les amis. Si je me trompe pas, il doit être juste par ici. Hop, oh, bah il l'a, regardez. On peut le récupérer et c'est le 27e. On est à 27 sur 35. Pour le prochain, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc il va falloir prendre le bouton de la maison juste ici. Il va falloir tourner et chercher la maison 35. C'est parti, donc on tourne, on tourne, on tourne et on cherche la maison 35 les amis, et c'est celle-ci, donc c'est l'île ici, donc on va dessus, c'est parti, et il va falloir aller par là les amis, donc sur l'île toujours, donc vous restez bien sur l'île, et là il va falloir grimper par ici, donc vous appuyez pour sauter, pour grimper, et là normalement il y a un œuf qui est caché ici, voilà, entre deux palmiers, et on est à 28, ça augmente vraiment de plus en plus. Et pour le prochain, pareil, vous appuyez sur le bouton de la maison et vous allez sur la 36 qui est juste ici, donc Paradise Island. Et là, cette fois, il va falloir aller de ce côté-là et récupérer encore un œuf qui est caché près de l'eau. Donc c'est parti, on y va. Et normalement, il est... il est là, ici. Et on est à 29 sur 35. Plus que 6, les amis, à récupérer. Et maintenant, cette fois, on retourne en arrière dans les maisons et on va à maison 31. Et là les amis, maintenant qu'on est maison 31, il va falloir aller par ici, donc derrière la petite montagne, pour récupérer un œuf qui est normalement super bien caché. Je crois qu'il est par là les amis. Il est ici, regardez, il est là, et là on est à 30. Ok, donc plus que 5 les amis, vraiment ça se compte sur les doigts d'une main. Donc maintenant on redescend par ici, et il va falloir trouver un sapin, donc pas très loin de la maison de Monsieur Brookhaven. Si je me trompe pas, ça doit être par là-bas, un tout petit sapin, et il y a un œuf qui est caché en dessous, donc je crois qu'on l'aperçoit un petit peu l'œuf. Je crois qu'on l'aperçoit vraiment et regardez, il est juste ici. Oh là là, franchement les amis, trop facile. Enfin vraiment pas trop facile, il était vraiment galère à trouver. Et on est à 31. Et pour le prochain, il va falloir traverser tout Brookhaven. Donc pour ça les amis, j'ai mis les turbos et direction la ferme de Brookhaven pour récupérer le 32e. Le 32e œuf les amis. C'est parti, donc on rentre ici au niveau de là où normalement il y a des chevaux et on récupère le 32e. Ok donc les amis, pour le prochain, on retourne en ville. Donc c'est parti, je reprends ma voiture qui va vraiment super méga vite. Et il va falloir aller à la poste les amis. Hop là, direction la poste de Brookhaven. Et on a un œuf à récupérer. Il est juste là dans un colis, vous pouvez le récupérer et on est à 33. Ok les amis, et le prochain, direction l'autoshop, hop là, ok non mais c'est n'importe quoi la vitesse où j'arrive, et il faut le récupérer ici dans le colis, le 34e, les amis, on est à l'avant-dernier, donc je vais vous montrer le dernier, mais juste avant que je vous montre le dernier, vraiment, faut que tu sois abonné à tout prix, vraiment, faut vraiment que tu sois abonné, c'est important les amis, pour l'avenir de la chaîne, et hop là, donc les amis, on va récupérer le dernier, donc c'est parti. Franchement, c'était super, super long, les amis. J'espère que vous aimez les vidéos comme ça. Et on va devoir passer, du coup, par ici. Et on va devoir descendre dans ce chemin secret, les amis. Et à un endroit par ici, il va falloir... Alors, je sais plus où exactement. Je crois que c'est par là. Mettre un lit. Alors là, ça se voit pas, mais j'ai mis un lit. Et... Oh non, je me suis trompé d'endroit. Regardez, c'était sur le côté. Bon, peut-être que j'ai une solution pour me rattraper. On va essayer. Oui. Voilà, normalement, fallait le mettre plus loin, d'accord. Donc, faites surtout pas ce que j'ai fait, les amis, parce que... Il y a une chance sur deux que j'y arrive. Si je saute, bah j'ai pas réussi. Super. Bon, on y retourne. C'est pas grave les amis, on va réussir. Cette fois on repasse par ce chemin. Comme ça on peut passer aussi par là, ça marche très très bien. Hop là, on continue le petit chemin. Et cette fois on va pas faire la même erreur. On va mettre le lit beaucoup plus loin. Donc c'était plus par ici. Ouais, c'est plus par là les amis. Ok, non mais c'était pas une échelle, c'était un lit que je voulais mettre. Et normalement là les amis, on y arrive. On y est, et les amis, on a débloqué le véhicule. Oh là là, j'ai réussi, c'est parti, on va aller le mettre. Oh là là, j'ai vraiment hâte de découvrir ce véhicule. Ok, donc c'est parti, on va aller dans les véhicules et on va mettre le plus grand, le... Oh, regardez comme il est immense, les amis. Oh là là, on a enfin réussi l'extrême. C'est parti, on va le piloter.
Voilà, on va le conduire, je sais pas, piloter. Waouh, regardez, ça fait une fumée derrière, ça fait un truc de, ça fait du feu et tout. Non mais c'est un truc de ouf, les amis. On va appuyer sur le bouton et ça rajoute des objets Roblox. Non mais c'est trop bien fait, les amis. Oh, il y a plein d'options pour le personnaliser. Regardez, là c'est en mode Roblox, là c'est en mode full turbo avec des, oula, c'est des mitrailleuses, on dirait. Et là, les amis, si, ok, non mais attendez, je peux appuyer. Waouh, je peux envoyer des missiles. C'est trop bien, c'est un truc de ouf les amis, c'est un truc de fou, non mais c'est vraiment un truc de fou les amis. Et attendez, si je rappuie, là ici ça c'est les œufs normaux, ça y a rien, là y a Roblox, et là y a les missiles de ouf, non mais c'est un truc de fou les amis, c'est trop bien. Bon, en tout cas les amis, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, et dites-moi les amis si vous avez trouvé tous les œufs vous aussi, et surtout, bah, regardez d'autres vidéos.